c'est pas très fort tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore chanté. Je pense qu'après, vous allez les applaudir bien davantage. Et il faut préciser qu'à la fin de la représentation, vous pourrez, au profit du Téléthon, acheter les CD qui vous seront dédicacés. Voilà. Donc maintenant, ceux qui souhaitent s'asseoir sont priés de gagner leur place. Comme nous allons faire une captation vidéo du concert, je vous remercie de ne pas passer devant le champ de la caméra. Ah ben c'est fait. Et bravo. C'est bon, on n'a pas encore commencé. Merci. C'est bon, je peux passer encore. Bonsoir ou rebonsoir. Donc effectivement, je m'appelle J.K.L. Je suis accompagnée d'Erwan Mouly qui va faire plein de choses aujourd'hui, du cajón, qui est cet instrument, cette petite boîte, cette percussion, de la guitare et de la flûte également. Alors on va commencer par jouer ensemble trois morceaux qui sont de ma composition, et je lui laisserai ensuite la place en solo pour faire des compositions, des reprises. Des reprises. Voilà. Alors la première chanson s'appelle « D'autres saisons », et elle figure effectivement sur mon dernier album qui vient de sortir, que je vous dédicace volontiers pour le Téléthon. Attends, le roi, il n'y a pas de soucis. Bah non, je vais pas commencer sans toi. D'autres saisons. Une balade sous la pluie, un regard vers l'infini, comme une envie de voyage. Je sautille dans les flaques, et puis j'embarque, je décide de tourner la page. D'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons, d'autres saison. Maintenant je me questionne, je ris, je dors. Est-ce une question de courage? Un désir de liberté, d'air pur, d'air frais, un retour à l'état sauvage. D'autres horizons, d'autres saisons. D'autres horizons, d'autres saisons. Dans cette forêt, au milieu des arbres, je me ferai un chemin. Le soleil s'installe, la chaleur s'emballe, j'avance vers demain. D'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons. D'autres saisons, d'autres horizons, d'autres saisons. Travaillé hier, donc c'est quand même exceptionnel. Voilà, donc merci Erwan. Et pour la deuxième chanson, un petit peu plus dynamique, c'est assez original pour moi de la faire le week-end du Téléthon, puisqu'elle parle d'une jeune fille que j'ai rencontrée il y a quelques années, et c'est une jeune fille sourde et atteinte de déficience intellectuelle que j'ai rencontrée, côtoyée de très près,
Et notre rencontre m'a inspiré cette chanson qui s'appelle « Sahara ». La faire un jour dans ces conditions-là, donc c'est assez touchant. Et puis pour terminer, mes trois petites compositions, le temps qu'Arwan se prépare, on va partir un petit peu plutôt dans les îles, on va imaginer un petit peu de chaleur, et oui c'est bien les îles, surtout avec le temps qu'il fait, et on va penser à une petite histoire d'amour, j'espère qu'elle vous fera voyager. Et je vous parle d'île parce que j'ai tourné le clip de cette chanson il y a peu et on devrait le dévoiler, je pense, le mois prochain. Cette chanson s'appelle « Te toucher ». Un instant d'égarement qui ne s'égare à présent, des baisers éphémères s'ancre en moi, qui s'enterre. Un instant de bonheur à contempler ta lueur, à rester contre toi, à n'entendre que ta voix. Toucher jusqu'à l'aube, serrer contre moi et laisser tes mains
ce miroir, nous deux ensemble. Et regarde comment ça sent. Il s'en fait tard et moi je tremble. Erwan qui va vous montrer une partie de son talent parce qu'il a beaucoup beaucoup de facettes et je vous laisse avec lui. Merci beaucoup. Suite de morceaux traditionnels irlandais. Et le premier, c'est un air lent qui a été composé par un Irlandais. Bah oui. Évidemment. Mais qui vit maintenant en Bretagne et que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est la but à chanter? Thank you.
Elle est comme vous. Ça, ce morceau que je viens de jouer, ça s'appelle Aile, que je connais par un ami guitariste qui, voilà, que j'ai rencontré. Il s'appelle Chile Bigot. Voilà. maintenant, je vais vous jouer une suite de jig. Ah, ça met de l'ambiance. Je vais demander à J.K.L. de le rejoindre pour une nouvelle salve d'applaudissements communs, s'il vous plaît. Et puis... Je tiens juste à préciser quand même qu'il a 17 ans. Voilà.